Yo les gars, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais très bien les amis. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur TDF 2019. Donc on va continuer notre tour, comme vous l'avez vu à la miniature, avec la Groupama FDJ. Du coup on avait perdu notre maillot car l'échappé est allé au bout la dernière fois. Donc c'est Damien Gaudin, coureur de la Direct Energy, qui prend le maillot de leader. Marcel Seberg 2e, Julien Vermotte 3e, Ankers Bull 4e et Florent Vachon 5e. Nous après on est positionné 6e, 7e, 8e. Du coup Thibaut Pinot est le mieux placé des favoris. Du coup les gars on va continuer. Au niveau de la forme, Thibaut est très très bien, je trouve, à ce moment-là de la course. Donc voilà, prochaine étape, let's go. Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Pour le maillot vert, il va être important de marquer le maximum de points pour combler notre retard. On a les moyens pour participer à l'emballage final et rentrer dans le top 5. Ne faites pas de complexe. Bonne étape, les gars. Oui, il y a 1 km de plus hein, par rapport à la dernière étape qu'on avait fait en vidéo ben, chez Pernet, mais là l'étape sera beaucoup plus simple avec une côte de 3ème catégorie dans les derniers kilomètres. Normalement ça aurait été une victoire au sprint. Attention quand même à l'échappée qui bah, pourrait, s'il venait à passer en tête de la petite côte de 3ème catégorie, bah, avec les descentes ça peut leur avantager. C'est pour ça qu'il ne faut pas leur laisser non plus trop d'avance. Faut pas leur laisser trop d'avance avant la montée. Faudra avoir une petite minute à la montée au moins. Ça permet d'attaquer. Nous avec Pinot on fera pas de trucs, hein. On fera pas de coup de génie. Hein. On va tranquillement aller se reposer. On va avoir l'ambition pour Antaïk Démarre d'aller s'imposer même s'ils nous disent de finir le top 5. Nous on veut la victoire, on la recherche sur l'équipe Groupama. Voilà, on recherche la victoire. Certes on a gagné, il me semble, contre la montre. Donc voilà. On va voir tout ça. On va prendre Arnaud Démarre et on va voir. Mesdames et messieurs, bonjour. Les favoris aujourd'hui, ce sont les sprinteurs. Il faudra que leurs équipes gèrent l'écart avec l'échappée matinale, mais la côte de Marron, située à 15 km de l'arrivée, pourrait elle aussi troubler le jeu des sprinteurs, surtout si celle-ci est montée à très haute intensité. Eh oui, je vous en ai parlé de la côte de Marron, la dernière côte de 3ème catégorie. On va faire attention à cette côte parce que ça peut jouer aussi pour les rouleurs. Hein. Donc attention, nous on va aller faire notre petite protection. Stéphane Cuquier qui va aller protéger Pinot. Single Dame, tu vas protéger Arnaud Démarre les gars. On va pas perdre de temps les gars, on va se retrouver directement au sprint intermédiaire. Hein. Il n'y a que 2 points à prendre pour le grimpeur. Je vois pas qui, à part le maillot à poids, hein, qui pourrait consolider son maillot. Et on est à 4 km de ce sprint intermédiaire. On va essayer d'aller le gérer avec Arnaud Démarre. Voilà, donc on voit les équipiers de Diane Groenewegen. On voit les équipiers d'Elia Viviani de Caleb Ewan. De Fernando Gaviria. Voilà, Peter Sagan, Marcel Kittel qui est là. On va voir ce que ça va donner. Nous, on est un peu seul. Hein. Là, on est un peu seul. Stéphane Kung, je sais pas ce qu'il fout. Voilà, on va essayer de se mettre dans des roues. Ok, c'est bon, il est là. Ah non, c'est Ramon Single Dame. Ok, allez là. Faut qu'il nous lance, Single Dame. Allez, Ramon. Allez, c'est l'heure de faire ton travail. Allez, fais ton travail au moins. Tu t'effaces direct. Voilà. On va prendre l'intérieur. Et là, on va attaquer. Là, on va attaquer. On devrait passer en tête. Là, on a bien géré. Faut regarder. Attention, Peter Sagan qui revient. Pas sûr qu'il soit là pour discuter le sprint. Ça va se jouer entre nous trois. S'il commence à craquer, allez, on va finir troisième. Troisième, ouais. On va prendre 11 points. On a fini juste devant le maillot vert de Fernando Gaviria. Donc voilà, c'est plutôt une belle opération. On a pris 11 points. Donc par rapport à nos concurrents directs pour le maillot à poids, c'est pas mal. Et on arrive dans la côte, dans la dernière côte de la journée. Donc il va falloir bien aller la négocier. Et il n'y a plus que 30 secondes. Hein, voilà. Donc l'échappée, je vous ai pas dit au début de l'étape parce que c'était pas vraiment intéressant. C'est Simon Geschke et Dewin Pegg qui ont pris l'échappée matinale. Voilà, ils étaient deux. Donc on leur a laissé jusqu'à 7 minutes. Après, c'est tranquillement revenu dans l'ordre. Donc voilà, maintenant il n'y a plus que 30 secondes.
C'est plutôt réaliste hein, cette année au niveau des écarts. On voit l'équipe, bah, on voit le train là de. Ouais, on voit le train là. On va essayer d'accélérer. Nous. On va essayer d'accélérer. Je sais pas, je sais pas où il est. Les premiers sont à 2 km du grimpeur. Ah là. On n'est pas très très fort, voilà. En plus il s'est relevé de Winteg. Le coureur de la Wanty. Ah là, on essaye de rouler vite. Ah, Geschke, il a repris un petit peu de temps. Geschke. On va essayer d'aller le chercher. Hein. On va essayer d'aller le chercher seul. Attention, hein, ceci, il bascule avec un peu plus d'une minute. Ça pourrait le favoriser avec toutes les descentes. Ça descend après jusqu'à 8 km. 8 km et après, il n'y a que du plat. Donc, attention, voilà, Yves Lampaert, le champion de Belgique. Enfin, ancien champion de Belgique, du coup. Comme j'ai pas mis à jour tous les maillots. Ah, il y a pour l'instant personne qui craque hein, dans le peloton. Une journée plutôt tranquille hein, pour les leaders. Allez, on va essayer de finir de passer tranquille. Après, on va pouvoir faire notre train. Ah si, bah voilà, le coureur échappé qui s'est relevé complètement. Hein, voilà, il est sorti du peloton. On voit les coureurs de la Trek. Là, John Degenkolb qui vient se replacer. Et c'est Simon Geschke qui vient prendre les points. Je crois qu'il a pris tous les points de la journée. Hein. Il a pris tous les points. 15 km, 27 secondes, ça va être très dur. Hein, ouais. Il doit être en défaillance. Il doit pas être bien. Par contre, je vois pas du tout Stefan Kung. On va quand même dire à Thibaut quand même d'aller d'aller aux avant-postes. Hein, faut préparer le sprint tout simplement. Ouais, voilà, on va faire ça. On va préparer le sprint. Ah, il faut que ça remonte là, les équipiers là. Faut que les équipiers remontent. On va se mettre comme ça pendant qu'on va prendre notre gel tranquillement. Donc Dylan Groenewegen qui a un beau train avec Wout van Aert, Tony Martin. C'est du costaud hein, du côté de chez Groenewegen. Ah, et là on arrive sur la partie descendante, là, comme je vous l'avais dit. Jusqu'à 8 km ça va descendre. Et après il y aura que du plat. On se met à rouler comme ça, hein. On suit juste les roues. Journée très tranquille pour nous. Hein. Aujourd'hui Thibaut n'a pas été inquiété. Thibaut elle est resté dans les roues tranquillement. Donc voilà, rien. Regroupement général. Quoi de mieux qu'une belle étape. Allez, plus d'échappée à 11 km. Voilà, donc là il y a un petit replat. C'est normal et après il va avoir de la descente jusqu'à 8 km. Après. Allez, par contre là je veux des équipiers hein, de notre côté là. Parce que là nous on est aux avant-postes, nous on est très très bien placé. Le problème c'est qu'on prend le vent, on n'a aucun équipier. Aucun équipier pour nous protéger là actuellement. Ouais, le premier équipier ça va être Stefan Kung qui doit être tout là-bas. 10 km. Très mal placé. Hein. Sprint oh, l'attaque de Vincenzo Nibali et Rigoberto Urán dans la descente. Ouh là va falloir les prendre parce que Thibaut Pinot, attention. Attention Vincenzo Nibali qui fait la descente. Vincenzo Nibali en costaud. Il va vouloir tenter la descente tout simplement. Attention Vincenzo. Vincenzo et Rigoberto qui attaquent. Ils attaquent, ils veulent bah, tenter un coup de loin, c'est logique. Ok, c'est bon, ça s'est relevé. Et on est parti à 4. Attention là. Faut qu'il suive là Thibaut. Faut qu'il suive là, faut qu'il attaque Thibaut. Vincenzo Nibali, on va prendre sa roue. On va prendre la roue de Nibali. Et il attaque encore une fois. Il attaque encore une fois. On a 5 secondes là. 5-6 secondes. Allez, faut que Thibaut là, il revienne. Hein, Thibaut. Ok, c'est revenu. C'est revenu grâce à un gros travail de Mercato. Attention, chute aussi. Attention. Et ouais, c'est un petit peloton. C'est un petit peloton. Et Thibaut Pinot qui a été pris. Là, attention, là, Thibaut, faut que ça revienne, les gars. Les gars, Thibaut, c'est important. On va pas rouler, nous. Alors, on va pas rouler. Faut que ça rentre, là, Thibaut. Faut que ça rentre. Quelle fin d'étape. Allez, là, faut que ça rentre, absolument, là. On peut pas prendre les bordures. On peut pas prendre les bordures. Par contre, on est l'un des seuls à vraiment. Bon, la Mercato qui attaque, il tente son coup de loin. Mercato, non, il fait le travail. Il fait le travail pour Fernando Gaviria, le maillot vert. Ok, c'est revenu. Là, faut que Thibaut, faut qu'il gère, là, Thibaut. Là, très beau virage. Très beau virage, on a pris un peu d'avance. On est à 2 km 5. Marcel Kittel dans le trou, hein. Il sait bien qu'on est favori. C'est logique, quand là, on va plus du tout rouler, hein. On va plus du tout rouler. Et attention, c'est un coup de loin, peut-être, là. Alexander Christophe. Non, on va pas rouler, on va pas rouler, non, on va pas se faire chier à rouler. Porte les gars. Oh, il a pris de l'avance, là, Philippe Gilbert. Philippe Gilbert en costaud. Philippe Gilbert qui attaque. Oh là là, Philippe Gilbert, il est fort. Et Philippe Gilbert, on va lancer notre sprint. On va lancer notre sprint à 1 km. À 1 km, peut-être la première victoire pour Arnaud Démare. Allez, Arnaud Démare.
qui va les déboîter vers la droite. Arnaud démarre. Quelle victoire les gars d'Arnaud démarre. Qui vient aller s'imposer sur cette étape de Reims. Ça fait plaisir. Et Thibaut Pinot qui a fini juste dans le peloton. Donc ça fait plaisir. La victoire de monsieur Arnaud démarre. Quel panache. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape, Reims Nancy. Arnaud démarre qui remporte cette étape. Il joue les et on va reprendre le... Non, maillot jaune toujours pour Damien Gaudin. Maillot jaune de ce Tour de France. Damien Gaudin. Et nous on est maillot vert. On a pris le maillot vert avec Arnaud. De ce Tour de France. Et oui parce que Philippe Gilbert finit deuxième. Arnaud démarre. Il joue les tout premiers rôles. Ok, maillot à poids pour c'est Simon Geschke. Maillot à poids de ce Tour de France. Simon Geschke, ouais. Qui a pris l'échappée pour conserver ses points. Voici le maillot et maillot blanc. De ce Tour de France. C'est Craig Anderson normalement. Ouais. Craig Anderson. Bah les gars, écoutez, ça fait plaisir pour une première petite étape, tranquille, sympathique. On a géré tout simplement. Hein. On a pas roulé. Bon, Thibaut qui a fini un peu à l'arraché. Hein. Thibaut, c'est vrai que c'était une fin d'étape un peu accidentée. Et non, c'est Peter Sagan, c'est Philippe Gilbert qui a fait quatrième quand même. Bravo les gars, félicitations à vous. J'espérais bien qu'on joue les premiers rôles, mais de là à gagner cette étape, vous avez réalisé une superbe performance. Bravo pour cette victoire. On prend le maillot vert, c'est une bonne journée. Eh oui, on prend le maillot vert. Et surtout, on s'est pas fait piéger. En même temps, personne s'est fait piéger sur cette étape. Hein. Simon Geschke, attention, il a fini 175e dans le même temps. Mais ouais, ça fait plaisir parce qu'on va prendre les 10 secondes de bonif pour le général avec Arnaud parce qu'il n'était pas très loin. On va voir un peu, on va monter. Hein. On va monter en puissance. On revient là, on a pris 10 secondes à Pinot. On est à 31 secondes avec Arnaud. Donc voilà, pour le maillot à poids, c'est Simon Geschke qui a détrôné Seeberg, a priori, qui était maillot. Voilà. Pour le maillot vert, du coup, on creuse notre écart par rapport à Gaviria. Voilà, on a fini devant lui au sprint intermédiaire et on a remporté l'étape. Hein. Il était même pas dans le top 5. Fernando Gaviria. Donc très belle satisfaction pour nous. Peter Sagan, attention, qui revient dans la course. Pour le maillot blanc, quatrième avec Gaudu. Tranquillement, là on a moins d'une minute. Mais bon, Craig Anderson va plus être là lorsque la montagne va s'élever. Wout van Aert, c'est la même chose. Gaviria, pareil. Donc normalement, on devrait prendre. Attention à Miguel Angel Lopez, Jenny Moscone. Bernal, il jouera l'équipier. Voilà. Donc au classement par équipe, la groupe AMFDJ qui est en tête. Et la combativité. Du coup, on a fait 1 km avec des mains, ou 1 km pour rien. Groutzeff, 324 km. Groutzeff, donc voilà. On va voir un peu au niveau des formes. Ok, on va tous être au top. Donc ça fait plaisir, les gars. C'est parti pour l'étape, la prochaine étape de ce tour. Bonjour, et oui, le premier rendez-vous entre favoris. Commençons le briefing de cette étape. C'est un parcours vallonné et casse-patte aujourd'hui, propice aux attaques. Ça devrait convenir aux punchers. Notre avance au classement par points n'est pas suffisante pour être certain de l'avoir encore demain. Il faudra essayer de marquer le maximum de points lors du sprint intermédiaire. Même si l'étape n'est pas vraiment dans nos cordes, vous devez rester vigilant pour le classement général. Bonne course à tous. Et oui, il faut rester vigilant parce que Thibaut, ça peut être une étape qui peut lui correspondre avec des grosses côtes dans le final, avec son panache, son punch. Voilà, on va essayer de tenter un coup, hein. Vous connaissez la FDJ et puis vous me connaissez, hein, on va pas laisser faire hein, les équipiers des leaders. On va être là, certes on n'est pas le favori indiscutable du tour, mais voilà, on va tenter notre chance. On a quand même 82 montagnes. En niveau de la descente, on est loin d'être dégueulasse. Donc voilà, on va essayer de tenter. Je pense qu'on va faire partir une personne en échappée pour le maillot à poids. On va faire partir, je pense, monsieur Rudy Mola. On va le faire partir également en échappée. Comme c'est une étape de ballon en plus, ça lui correspond bien. Et puis de toute façon, il devait prendre l'échappée. Hein, c'était le coach qui l'avait dit. Ou alors c'était Stefan Kuhn. Mais bon, Stefan Kuhn qui passe mal la montagne et le vallon. Donc voilà, on va partir avec Rudy Mola. On va bien faire attention avec Thibaut. Donc on a un pic de forme, surtout avec Rudy Mola. Ça nous fait 4 rois en ballon. Et on peut être favori hein, au final. Hein. Faudrait qu'on amène quelqu'un avec nous. Bah, au pire, on amène Kung avec nous. Hein. Ça peut être la meilleure idée. Mais bon, après Kung, il faudrait quand même qu'il protège Pinot dans la plaine. Donc je pense qu'on va quand même privilégier Thibaut Pinot que Rudy Mollard. Du coup, les gars, c'est parti.
Bonjour et bienvenue à tous. Voilà une étape qui pourrait sourire aux audacieux. Le profil escarpé ne devrait pas inciter les sprinteurs à assurer la poursuite des échappés et les difficultés ne paraissent pas si exigeantes pour inciter les favoris à passer à l'action. Tout semble donc réuni pour une échappée victorieuse dans les rues de Colmar. Mais attention, eh oui. Le cyclisme n'a jamais été une science exacte. Et oui, parce que avec les montées et descentes, ça peut favoriser les échappées ventes, les gars. Ah ouais, c'est relou. Voilà ce que je déteste chez le jeu, en fait. Chez Cyanide, chez tout le monde, en fait, c'est les blocs. Les blocs, c'est chiant parce que regarde, tu perds. J'étais placé 30e quand même, hein, 30e au début. Et là, je me retrouve en 100e position, tu sais même pas comment. Voilà, on va essayer quand même de remonter. On va essayer de remonter un peu, même si ça va être très compliqué. Bon, nous, on veut prendre l'échappée, hein, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, voilà, on va remonter quand même, voilà, on va faire l'avance auto. Les gars, aujourd'hui, les... Juste pour... Ok, attaque de Offredo, là, faut le suivre, Yann Offredo, le coureur français. Et nous, on va essayer de prendre l'échappée. Ok, c'est bon, on est revenu là dans les premières positions de ce peloton. Voilà, on va passer là, voilà, les blocs, encore une fois, ça me saoule légèrement. Voilà, on va prendre la roue Nathan Haas, là, qui va vouloir attaquer. Nathan Haas, on le voit. Voilà, il va attaquer. Voilà, on va attaquer nous avec Rudy Mollars, avec nous, avec notre gros pic de forme, ça va nous faire du bien. Voilà, on est passé là. Ok, ça roule plus. Et ça, c'est tant mieux pour nous, parce qu'on est quand même accompagné de très gros rouleurs là, enfin, de très gros rouleurs punchers. Là, l'échappée va être costaud, hein, avec Julien Simon, TJ Slacter, Nathan Haas, le grand puncher, Michael Valgren, vainqueur de l'Amstel. Donc ouais, vraiment grosse échappée. Et plus nous, bah on a porté le maillot, rouge. Une minute pour l'échappée. Donc c'est ouais, bien parti. Échappée d'expérience, on va dire ça comme ça. L'échappée est plutôt dangereuse. Christopher Froome. Il a décidé de faire rouler ses gars. Et ouais, Froome qui a demandé de rouler. Nous on va rouler quand même, on va collaborer bien évidemment. Voilà. Vas-y, roulez maintenant, on va faire de l'avance les gars. Les gars, on va se retrouver directement aux troisième catégorie. Hein. Et on est à 2 km de ce col, mais qui n'est pas un col en fait, parce que c'est tout plat presque. C'est juste que la côté longue. Ouais, 2 km avant donc voilà, l'échappée est partie 2 minutes. Donc voilà, je vais vous présenter un peu l'échappée avant qu'on lance notre sprint. Donc il y a Julien Simon, Marcinski, Offredo, Nathan Haas, Valgren et TJ Slacter. Donc voilà, que des punchers, hormis un rouleur. Donc voilà, on va essayer. On voit qu'il y a deux Katusha, donc attention, je crois. Ah non, c'est Cofidis, ok. C'est qu'en fait, le maillot Cofidis et Katusha, ils se ressemblent un peu. Allez, on va lancer notre sprint là. Nous, on va jouer le maillot. Hein. Nous, on va jouer le maillot à poids, bien évidemment. Sauf qu'on a du punch, on sprinte bien. Hein, donc, Il a demandé à ses équipiers de gérer l'écart. Il veut sans doute jouer la victoire au sprint. Ah ouais. Là, il va avoir plus fort que nous, là, je pense, sur le papier. C'est Nathan Haas qui passe en tête devant Michael Valgren. Et on est à 2,5 km de la côte de Greddelbruch. 4,4 km à 5% de moyenne. Voilà, échappée qui compte 4 minutes à 124 km de l'arrivée. Donc, échappée bien partie. Bien partie pour aller s'imposer parce qu'on est quand même 7. C'est une échappée en plus d'expérience. Donc, à voir tout ça vraiment. Si on grimpe comme ça, avec notre état de forme, de toute façon, on est favori. Déjà, on est favori de l'étape hein, déjà avec notre pic de forme. Donc voilà, on va essayer de tenter notre chance dans les derniers cols. Donc voilà, c'est un col, c'est une côte. C'est ça qui est bizarre en fait. Dès qu'on leur demande que ce soit un col, c'est une côte. Et quand c'est un col, c'est incompréhensible. Donc nous, on va lancer. On dirait vraiment un col quoi. C'est vraiment très très dur à des moments. Yann Offredo, on va laisser partir de toute façon. Voilà, il est nul au sprint. Vas-y, on va lancer là à 800 mètres. Allez, on va attaquer là avec Rudy Mollard. Allez, Rudy. Ah, il faut prendre les points. Ok, il prend notre roue là, Yann Offredo. C'est malin de sa part. Ok, le groupe a été scindé. Ok, Nathan Haas, trop fort Nathan Haas. Et bon, on va finir troisième. Même pas, on n'aura même pas de points. C'est Valgren qui nous les pique. Ouais. Il y a plus fort que nous aujourd'hui. Il y a plus fort que nous. Ils ont une meilleure forme que nous, très clairement, je pense, aujourd'hui. On est tous en bonne forme. Quoi. On a tous les jambes. Mais voilà, Nathan Haas est quand même au-dessus. Et on est à 2,5 km de la côte de Okonisburg. 6,3 km à 5,5% de moyenne. Donc là, vraiment, on fait le taf quoi, dans la montée. Là, on est en train de donner tout ce qu'on a pour essayer de faire craquer les machines d'attaque qui veulent pas collaborer depuis tout à l'heure. C'est l'équipe de Valgren. C'est Valgren et je sais plus qui avec lui. On le voit pas beaucoup. Hein. C'était Just Lacter.
Donc voilà le puncher. Allez, on va essayer de prendre un peu d'avance là. Ok, le groupe s'est scindé en deux, c'est cool. C'était notre objectif, surtout que c'est les deux Dimension Data là. Les personnes là, ouais, ils vont pas rouler. Ah ouais, ils sont pas logiques eux. Alors eux, ils veulent prendre l'échappée, mais ok, c'est totalement incompréhensible. Mais bon, 2 minutes 31, on a repris un peu d'avance parce que l'échappée était à moins de 2 minutes à un moment. C'est bien, continuez comme ça. Ok, on a pris le général parce qu'avec Rudy Mola, on était très bien placé. Oula, quel virage, il est beau. Il est beau celui-là. Il va prendre notre roue, c'est malin. C'est malin de sa part. Et est-ce qu'on va réussir à passer? Non, non. Nathan Haas, beaucoup trop fort. Nathan Haas. Bon, on va prendre 3 points quand même. On va prendre 3 points et Nathan Haas qui devient meilleur grimpeur de ce Tour de France. Et on est à 4 km de ce sprint intermédiaire avec Arnaud Démare bien évidemment qui porte le maillot vert. On va essayer de jouer les points, on doit le garder ce maillot. Et ce sera notre seule occasion hein, de conserver le maillot, c'est d'aller chercher un sprint. Voilà, essayer de creuser un peu plus notre écart. On a tenu les petites bosses contrairement à d'autres qui se sont fait distancer comme Christophe Laporte par exemple, le coureur de la Cofidis. On voit Thomas Bouda travailler, donc c'est pour le maillot jaune sûrement, qui est toujours Damien Gaudin. Ouais, il y a très peu quand même de lâcher, mais bon, Christophe Laporte vit une sale journée. Hein, je pense qu'il finira hors délai malheureusement pour lui. Et c'est, ouais, on va finir 3ème nous avec Rudy Mola. Ouais, 3ème, on aura 15 points. Et nous, on va attaquer je pense là. On va se mettre à attaquer dans le faux plat montant. Allez, ouais, on voit Viviani, on prend la roue. On prend la roue de Viviani. Faut toujours prendre les roues. Sonny Colbrelli très très fort, hein. Logique, en même temps il passe très bien les boss. Allez là, allez, faut tenir. Attention, bientôt plus d'énergie pour attaquer. Faut tenir, et bon, on va passer devant Colbrelli même. Est-ce qu'on va réussir dans les roues? Ok, on va finir devant Peter Sagan, on va finir deuxième. Donc on aura 9 petits points. Ah ouais, on a fait vraiment la côte à fond parce que ouais, il y a un peu d'écart, c'est bien. On va pouvoir reprendre un peu nous pour l'échapper. Et on est à 2 km de ce classement montagne avec Rudy Mola bien évidemment. Nous on est toujours bien. On est en train de faire un petit écart là, voilà, il se met à attaquer, donc il use déjà son gel, ça fait plaisir. Julien Simon quand même qui roule pas beaucoup hein, vraiment ils sont un peu méchants là nos. Là normalement on doit collaborer normalement pour éviter que l'échappée rentre, tu mais bon là, a priori. A priori ils veulent pas, donc voilà Nathan Haas et oula Dan Martin. Faut faire attention à la centrale complètement les gars, ça part totalement en cacahuète. Les gars, tout le monde est fatigué, je suis obligé de donner tous les gels en fait. Après j'ai pas vu le ravitaillement mais je crois qu'il a été déjà passé, donc c'est un peu dommage. Il va falloir se battre. Et Julien Simon en défaillance. Julien Simon, on va se mettre à attaquer. On sait qu'on est le plus fort là, avec Cody. C'est, oh là là, c'est Julien Vermotte le meilleur jeune. Et nous, on va attaquer. Il est en défaillance, Nathan Haas. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. La défaillance. Et nous, normalement, on devrait prendre provisoirement le meilleur jaune. On est leader virtuel. Allez, on continue comme ça, allez. Et oui, on est leader virtuel, c'est logique. Hein. Oula. Ou Thibaut Pinot. Oh, Thibaut Pinot qui est tout seul. Les gars, abusez pas les gars, faut tenir. Le but c'est de tenir. Hein. C'est 6 km à 6%, c'est simple. Voilà, on se met à fond là. On va passer sur Thibaut les gars, Thibaut qui est très très bien. Thibaut, ça fait plaisir. Thibaut qui a la patate. On va prendre nos gels hein, directement. Voilà. On va prendre notre gel. Ouais, je pense qu'on n'aura pas l'énergie, je pense, pour attaquer, mais on aura l'occasion de repartir une prochaine fois à l'attaque, ça c'est sûr. Mais on va se contenter voilà, de gérer. Nous, on gère le classement général. Lui, on va le mettre à 90, je pense que ça suffira. Voilà, 90. 1 minute 17, les gars, ça peut aller au bout. Attention, Rudy Mollard, s'il passe en tête avec une petite trentaine de secondes, ça peut aller au bout au vu de la descente. Nous, on va rester quand même bien placé. On va rester très bien placé. Reichenbach, on va lui demander de nous protéger. Ok, David Godu qui a perdu énormément de temps pour le maillot blanc. C'est pas forcément grave, c'est pas son objectif. On verra au fil du temps, mais pour l'instant c'est surtout Thibaut. Thibaut à fond. Échappé, un peu de chance d'aller au bout, les gars. Faites attention au contre. Voilà, nous on va se contenter de suivre les roues. On va voir si dans la descente on peut faire quelque chose. Attention, Nibali là qui s'est replacé. Fabio Aru. Attention là parce que les gros leaders ils se replacent là, ils se replacent à l'avant. Juan Dennis du coup qui protège Vincenzo Nibali. Une minute, ok. Zakarin qui s'est fait lâcher. Attention Zakarin. Non, ok, c'est Roche. Ok, nous on va se contenter de suivre les roues. On va suivre les roues, voilà Fabio Aru qui n'aura pas les jambes, mais a priori ça va aller au bout.
A priori, parce qu'il y a quand même un certain écart quand même entre Rudy Mollard et le peloton. Voilà, il est parti tout là-bas. Il est parti vers une victoire de prestige. Maintenant, on va le mettre à 110, très clairement. Hein, on va le mettre à 110, on va pas se poser de questions. Ça marche. Je me ravitaille. Voilà. Juste, il fait une petite attaque, au moins après tu repasses à 100 et tu vas à fond. Ok. Je vais relayer à bloc. Voilà, allez, on voit le truc des. On voit la bande des 20 km. Là on arrive sur des forts pourcentages là. Hein. Ce sera encore possible de faire la différence après le grimpeur. Il y a 2 km en faux plat montant avant de basculer dans la descente. Ok, donc en fait faut pas aller non plus à bloc quoi. Hein. Bon après on a pris quand même voilà. Okay. On a pris un peu. Oh, Miguel Angel Lopez. Miguel Angel Lopez lâché les gars. Petit leader. L'échappée ira sans doute au bout les gars. Même s'il va jouer pour Jacob Fuglsang. Attention, et Bernal. Attention à Bernal qui se replace. On va se contenter de suivre avec Thibaut, ça qu'on a aujourd'hui. Bon, on aura une forme moyenne. On a pas forcément les jambes. On n'a pas forcément les jambes aujourd'hui. On va essayer de suivre, mais ça va être très très compliqué hein, quand même. Allez, on continue comme ça, ok, on est leader pour l'instant. C'est avec Thibaut qu'on est leader, je crois bien. C'est avec Thibaut Pinot. C'est avec Thibaut qu'on est leader, ça fait plaisir. Ok, ça s'est complètement arrêté de rouler. Ok, les défaillances là, ça va à fond. Juan Dennis, Tony Galopin. Ah ok, plus d'équipiers hein, pour Romain Bardet, je pense qu'il est tout seul aussi. C'est vrai que là, voilà, ils se seront bien cramés quand même. Et nous avec Rudy Mollard, et bah, on va sûrement aller s'imposer. Enfin, on va essayer de finir la côte tranquille avec Thibaut. Voilà. Richie Porte à la limite de la défaillance, hein, Richie Porte. Heureusement qu'on a 82 montagnes, ça va nous permettre de suivre tranquille. Ok, défaillance de Wout van Aert, ok. Wout van Aert qui a vraiment fait une très très belle montée. Bomingles qui travaille. Allez. L'écart semble stabilisé. Allez, on va rester nous à l'arrière du peloton parce qu'on n'est pas très bien là, on va pas vous mentir. On n'est pas très bien et là je pense qu'on va faire la descente tout simplement avec Rudy. On pourra pas tenter un coup hein, avec Thibaut. Ça va être très compliqué. Ah, 35 secondes, attention. On l'avait dit, s'il y avait plus de 30 secondes que ça pouvait peut-être aller au bout. De sortir du peloton. Attaque de Primoz Roglic. Nous on va suivre comme ça, mais ça va être très compliqué. Hein. Nous on n'a pas les jambes aujourd'hui. On va suivre Garen Thomas. Hein. Garen Thomas qui est pas très bien aussi. Ok, c'est rentré là. Ça va être Simon ou Adam Yates, je sais plus. Oula. Ouais, Thibaut qui est pas bien là. Thibaut qui nous fait comme au Giro là. Il sait plus comment pédaler. Il perd un peu ses pédales. Allez, on va essayer de se reposer un petit peu. Primoz Roglic qui a fait la descente. Pour la tête de course. Et nous, on aura Rudy Mollard. Donc, on aura un équipier pour la fin, pour protéger. C'est toujours cool. Attention. Ok, voilà, très beau virage. Hein. Très, très beau virage de Thibaut. Allez, on s'est replacé. Il fait rouler ses équipiers car un coureur dangereux pour la victoire d'étape s'est échappé. Ouais, Julien Lafilippe qui roule. Forcément, il veut la victoire, Julien. Et c'est sûr que ce sera le plus fort au sprint si ça devait aller au sprint. Oula, on est parti là à 5. On est parti à 5. On est parti à 5. On va demander à Rudy d'attendre Pinot. Là, il y a peut-être une occasion, okay. Les gars. Il y a une occasion. Kato et tout. Oh oui, là, on a pris de l'avance. Oh oui. On a pris la cassure. On a pris le bon groupe. Il passe à l'offensive. On a pris le bon groupe. Ça, c'est bien. Allez, Rudy. Pose-toi pas de questions, Rudy. Rudy, tu vas à 110 maintenant. Tu vas à 110. Tu vas à 110, Rudy. On va se mettre dans la route, Rudy, on va pas bouger maintenant. Maintenant, c'est. Faut jouer l'étape là. Là, faut rouler à fond là. Voilà, on s'est fait reprendre exprès. Peloton groupé, seuls les coureurs encore frais pourront faire la différence. Allez, dans le final. Allez, là, faut rouler contre Primoz Roglic là, Rudy Mollard. Allez, on est à 7 km. 7 km. Et déjà des leaders qui se sont fait piéger. Quel meilleur champion du monde, on va essayer de le suivre. C'est vrai que nous, on va pas user non plus toutes nos forces. Allez Rudy, tu roules. N'empêche Rudy aura fait une superbe étape. Hein. Rudy, tu finiras avec le classement de la combativité, je pense, à la fin de l'étape. Ça aurait été le plus combatif du jour, ça c'est une certitude. Et nous, on va aller rattraper Christopher Froome qui avait attaqué. Donc là, on va se mettre à. Voilà, on va se remettre. Allez, normal. Attaque. Oh, faut pas se relever. Oula, Richie Porte qui a surpris son monde, ok, c'est bon. Oula, Richie Porte. Oh, Richie Porte qui va s'imposer là. Moins de 5 km avant l'arrivée. Oh oui, Richie Porte qui est bien parti. Richie Porte qui a. Ouais, 2 minutes 24. Ok, c'est bon. C'est bon. Vas-y, faut protéger. Hein, faut protéger. Après, Rudy Mollard peut se la jouer aussi. Hein. Rudy Mollard peut se la jouer cette étape. Tout dépendra en fait de sa forme. Mais je pense qu'il a les jambes.
Attention, il attaque. Ok, plus que 12 secondes. Oula, Froome qui a surpris là. C'est pas le moment de se regarder. Ouais, là, faut limiter la casse là. Hein. Faut limiter la casse. Ok, encore 3 km à tenir. 3 km de malheur à tenir là encore. Et oui, Garen Thomas qui va pas rouler. Il y a Froome devant. Il y a Christopher Froome devant. C'est logique. Froome et Richie Porte, les deux ensemble de la Sky. Oula, Jacob Fuglsang qui a attaqué. Et ouais, non, on n'aura pas les jambes. On va finir dans le deuxième groupe. C'est dommage. A priori. Ah, Yates qui roule et Primoz Roglic. Et non, on va se mettre dans la roue de. Peut-être une défaillance là pour Vincenzo Nibali. Ok, on va faire le sprint. On va essayer. Voilà, on va finir à l'arracher. Hein. Oulala, là là. Oh, on monte. On remonte. T'es bientôt à bout de force. Essaye de gérer si tu veux. Ouais, on va prendre. On va pas prendre de cassure. Ah, si, on va prendre une toute légère cassure, mais je pense que ça va pas être compté. Ça risque de pas être compté. Ah, Reichenbach qui fait une superbe course. Hein, Reichenbach qui a pas été bien dans la première ascension, première grosse ascension. Et bah finalement, il a tenu. C'est bien ce qu'il fait, Reichenbach. Même s'il ne nous aura pas épaulé très longtemps. Mais ouais, Rudy Mollard, très belle surprise, Rudy Mollard. Rudy Mollard qui va finir dans le groupe des favoris. Attention à Rudy. Qui a gagné cette étape? Mesdames et messieurs, applaudissez le bien fort. Oh non, Kato. C'est Kato ça. Je crois que c'est Kato. Et on est maillot jaune, on a repris notre maillot jaune. Le maillot jaune de ce Tour de France. Thibaut Pinot. On a pris le maillot jaune. Alors qu'on n'était pas bien. Et bah ça se finit, ouais. C'est pas mal. Il est en tête du classement. Maillot vert avec Arnaud démarre. Nathan Haas qui prend le maillot à poids. Et le maillot blanc. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Wout van Aert. C'est surprenant. C'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il passe aussi facilement la montagne. Et bah si, hein, je crois qu'il est vraiment prêt. On n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Ah, on a pris 10 secondes. On a pris 10 secondes comme question. Vous m'avez pas fait mentir. Bon, après, on a pris le maillot jaune. Ouais, c'est Katowski devant Valverde, Valgren, Bauke Mollema et Julien Alaphilippe qui a fait quand même 5ème place. Qui va revenir, Julien qui va revenir à la 9ème place. Et nous, on a 10 petites secondes là sur Alejandro Valverde. Et c'est bien parce qu'on a, voilà, on a un petit matelas. On va pouvoir le conserver. Rudy Mollard 14ème à 48 secondes. Ça, c'est cool. Il est dans les mêmes temps que Dan Martin, que des Christopher Froome. Vincenzo Nibali ouais, qui est un peu entre les deux, lui. Ouais, c'est bien. Maillot, ouais, on est deuxième avec 10 points. Donc, on a que 2 points. On a que 2 points à rattraper sur Nathan. Ah, c'est largement faisable pour une prochaine échappée ou pourquoi pas, voilà, les jouer normal. Pour le maillot vert, on conserve tranquillement notre avance avec Arnaud. Pour le maillot blanc, Wout van Aert, c'est la surprise. Wout van Aert. Et nous, David Godu, il a perdu que. Ouais, il avait encore perdu une minute. C'est tout en fait. Il a rien perdu du tout. On est à deuxième meilleure équipe. C'est la Sky qui a pris la tête, c'est normal. Et la combativité, c'est Grootzef. Et voilà, au niveau de la forme, c'est toujours parfait. Ok, on sait bien, on est tous à peu près dans les normes. Allez, c'est parti. Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs cols et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général. J'espère que vous êtes en forme, car il va falloir défendre le maillot jaune. On devrait pouvoir le conserver sans trop de soucis. Si on contrôle bien la course, on peut même envisager un podium d'étape. Bonne journée les gars, allez. Eh oui, c'est une étape qu'on a cochée, bien évidemment, l'étape de la planche des Belles-Filles. C'est sur cette étape qu'on finira la vidéo. Let's go. Thibaut Pinot, on sait, bah, il l'a reconnu l'étape. Il l'a reconnu parce que bah, il l'a déjà fait.
Il l'a déjà fait en 2014 lorsqu'il avait fini deuxième, juste derrière Vincenzo Nibali, hein, qui était impérial à cette époque-là. Peut-être qu'il va faire le doublé, Vincenzo Nibali. Peut-être qu'il va aller s'imposer à la planche des belles filles, pourquoi pas. Après, c'est une montée un peu différente que celle du Tour de France 2017 lorsque Roux avait gagné. C'est que là, il y aura un replat, je crois, là, dans les deux derniers kilomètres. Du coup, voilà, faudra pas non plus trop traîner. Il va falloir un beau matelas d'avant, je pense, au vrai sommet. Voilà, donc on va falloir conserver le classement général avec Thibaut. Donc, ouais, c'est vrai que ça arrivait un peu tôt. Voilà, mais voilà, on a pas de bonne forme. On n'a aucune forme. Et David Godu, lui, a la forme. Ça lui fait 80 montagnes. Morabito aussi. Donc, voilà, tous nos grimpeurs presque ont la forme. Et ça, c'est cool. Du coup, ça, ils vont pouvoir nous épauler dans la montagne. Du coup, on va voir personne en échapper. C'est logique. Arnaud Demar, de toute façon, il passera pas. Hein, le premier catégorie, c'est mort. Du coup, allez, il va tranquillement aller conserver son maillot. Et puis, voilà, on verra d'une prochaine étape de montagne. Hein, Arnaud Demar, de toute façon, il n'est pas trop en difficulté au niveau du maillot vert. Et puis même il passe un peu partout lui aussi. Donc voilà les gars, on va partir avec Thibaut. On va contrôler Thibaut toute la course. Et on va essayer de gérer. On est le maillot jaune, on doit faire le tempo. Et essayer de conserver le maillot. Let's go. Mesdames et messieurs, bonjour. Si l'arrivée à la planche des belles filles est devenue un classique du Tour de France, cette édition sera quand même particulière. Les coureurs vont devoir en effet affronter un kilomètre supplémentaire avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Une nouveauté qui ne va pas bouleverser bien sûr la liste des prétendants à la victoire, mais qui corse un peu plus cette fin d'étape réservée aux grimpeurs. Eh oui, ça peut tout changer. Pas besoin de vous faire un dessin, comme à chaque fois, tout devrait se jouer dans la planche des belles filles. C'est une victoire de prestige. Et les équipes de favoris devraient maîtriser l'étape. Oh, le maillot blanc qui attaque. Le maillot blanc. Et ouais, le maillot blanc a des forces aujourd'hui. Wout van Aert là. Darlimpe et Bevin qui sont partis également. Il essaye de combler Martens. Ok, 4 coureurs a priori sont partis dans l'échappée. Non, il y a qui va attaquer? Yates qui va attaquer. Non, c'est Nieve, ok. Nieve et Lampard. Ok. Ouais, là, l'échappée devrait partir tranquillement. Nous, on va aller se faire protéger. Hein, on va se faire un peu chouchouter. Voilà, Ramon Sinkeldam qui va protéger Thibaut. Kung, je pense qu'il va protéger Arnaud Demar. Voilà, au cas où s'il est en défaillance. Et puis voilà, on va tranquillement laisser l'échappée partir, les gars. On se retrouve directement quand il y aura dans les moments clés, tout simplement. Donc voilà, les gars, premier col passé. Ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts dans le peloton. On n'est plus que 121. Et l'échappée composée d'une quasi 30 coureurs. Donc voilà, on nous démarre qui nous protège toujours. Et puis voilà, nos coureurs sont bien par Ramon Sinkeldam qui peine un petit peu. Après c'est logique, c'est un sprinter, mais Arnaud Demar ouais, qui est pas mal. Donc finalement peut-être que les gars on va se retrouver directement au sprint intermédiaire, hein. Et on est à 4 km de ce sprint intermédiaire. Arnaud Demar toujours là bien évidemment. On va essayer d'aller jouer les points. C'était pas prévu parce que je pensais qu'il allait se faire dépasser. Et puis de toute façon après il se fera lâcher, hein, comme après il y a la montée puis la descente du ballon d'Alsace. Donc voilà, il va falloir faire très attention. C'est le premier gros col où il faudra vraiment faire attention aux attaques. On a vu Quintana, je vais pas vous mentir, que Quintana a des très bonnes jambes aujourd'hui. Hein. C'est pas parce que ces hommes sont en train de rouler, mais il est très bien en forme. Donc attention à Nairo Quintana aujourd'hui. Et nous, ouais, on est très mal placé pour le sprint là. Ouais, là on est quasi mort là, on est mort. Surtout quand on a des blocs comme ça là, c'est. Allez, on va revenir, on va essayer de finir fort. Ok, on va finir 7ème. 7ème, bon ça va. On n'a pas perdu trop de points sur des Peter Sagan. Et c'est Michael Valgren qui passe en tête devant. On va demander à Rudy Mollard d'attaquer, bien évidemment, comme il y a des points à jouer. Rudy Mollard. Je sais pas si c'est du bluff, mais l'échappée a l'air d'augmenter le rythme en tête de course. Non, parce que Rudy Mollard est très mal placé, ça c'est dommage parce que c'est des points faciles à prendre. C'est des points faciles à prendre et. Voilà, on aurait pu prendre 6 points, mais non. Bon, après, c'est pas vraiment grave parce qu'on aura d'autres points à prendre. Mais voilà, c'est dommage. Bon, là, les gars, on va faire la descente, les gars. On va voir un peu comment le ballon d'Alsace, s'il est si dur que ça. Ah ouais, les épingles. Ouais, surtout qu'on n'est pas le meilleur descendeur. On va la jouer, nous, la descente. Hein, nous, on va la jouer. On veut faire des dégâts, nous, dans le peloton. La fin d'étape approche. Soyez attentifs.
Ça devrait pas tarder à bouger. Et oui, Thibaut Pinot, alors on est parti. Et c'est Watt, Simon Yates qui vient de se faire décramponner là. Ou c'est une blague, ou je sais pas. Et non, il faut la descente du ballon d'Alsace à fond. On connaît nos talents de descendeur. Hein. Vous l'avez bien vu dans les lives descendre, dans les défis. Voilà, on a déjà pris une petite quinzaine de secondes. Bon, après, c'est contre l'IA, mais bon. Oh là là, quel virage. Ça revient sur l'échappée. Elle va avoir du mal à résister au retour du maillot jaune. Et oui, nous, on est juste là, Noah et Thibaut. On fait la descente à fond, là. On est à un peu moins de 50 km de l'arrivée. Bon, en vrai, le ballon d'Alsace, il est pas extraordinaire. Hein. Il est classé comme une descente dangereuse. Mais si tu négocies bien les virages, il y a aucun problème, hein, normalement. Tu les passes. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur oula, lui. Oula, oula, Rudy Mollard. Qu'est-ce qui se passe là, Rudy? Je sais pas du tout ce qui se passe. Et nous, bah, du coup, on va tenter notre coup avec Thibaut. On est parti. De la descente, elle entre maintenant dans la zone de ravitaillement. Nous, on est parti. Vraiment, on fait une descente. Vraie descente, quoi. Une descente de costaud. Et voilà, quoi. On a pris une petite minute. Ça fait plaisir. Sans aller à fond. On va arriver au ravitaillement. Ok, on est là. On est là et ouais. David Godu, tu vas rouler à 100, bonhomme. Tu vas rouler à 100. Et derrière, il y a des équipiers. Hein. Faut pas que ça rentre. Derrière, il y a des leaders. Certes, il y a des équipiers, mais il y a des leaders. Il va faire rouler son équipe derrière toi, mais faut tenter. Ah oui, bien sûr, faut tenter. Ils vont s'épuiser. Hein. Ils vont s'épuiser. Allez, nous, on va. Voilà. On va y aller comme ça. Ok, c'est rentré. Écoutez, les gars, on va pas se faire chier le cucu. On va faire un putain d'écrémage, les gars. Tout le monde a 90. On est à 20 km de l'arrivée. Et là, on est à 1 km. Et là, c'est vraiment très dur, là, cette montée. On a mis nos équipiers à rouler. On a mis. Voilà. On a mis David Godu. Oh là là. Oh, je sais pas ce qu'ils font là. Ok, nous, on va accélérer. On va continuer d'accélérer, nous. Voilà, on va se mettre comme ça, tranquillement. Démarqui va passer en tête. Arnaud Démarre, du coup, qui s'est fait lâcher, c'est prévisible. Mais quelle étape d'Arnaud Démarre. C'est l'un des choses, c'est le sprinter le mieux classé. Hein, sans compter Wout Van Aert. Parce que bon, Wout Van Aert est classé comme un rouleur. Et ouais, c'est rentré, là. Il n'y a plus de... Ouais. Et du coup, David Godu, ça va peut-être en profiter pour David. Non, on va essayer de passer deuxième. Hein. C'est toujours des points de prix, hein, de toute façon. C'est pour la contron. Voilà, nous on a fini deuxième. Deuxième et premier du coup avec David Godu. On va aller se reposer un peu dans la descente. Et on est à 7 km de la planche des belles filles. Pas entré Schenmark qui est pas rentré. Ça fait chier. Mais bon, on a quand même David Godu. David Godu qui est en forme. David Godu qui est en forme. Il va aller nous protéger, ça va être un peu notre lieutenant. Notre fidèle lieutenant. Voilà, on va le mettre là. Pour l'instant, ça roule pas. Hein. Pour l'instant. Ça se regarde un peu et du coup ça risque de rentrer avec Reichenbach et ça c'est pas mal ça, c'est pas mal si ça pouvait rentrer. Et attaque de Vincenzo Nibali directement avec Romain Bardet, Nairo Quintana. Et là nous on va y aller. On va quand même lui donner le gel quand même, hein, qui va pas se cramer, voilà, il va pas se tuer quand même. Voilà, nous on va y aller à notre rythme, voilà. Nous on va y aller grâce à David Godu, nous on va pas faire des efforts inutiles. Voilà, David Godu est là. Ça sert à ça pour toi. Oui, là, ils sont en train de faire un de ces écarts. Et Dumoulin qui n'y a pas été. C'est Mikel Landa, là, qui attaque à son tour. Mikel Landa. Godu et tout. C'est vrai que l'étape... Enfin, du coup, la côte va être rapide. Mais bon, voilà, il y a des points noirs dans cette étape. C'est une étape très, très, très dure. La planche des belles filles. Ah, et normalement, on devrait reprendre du temps sur cette portion là maintenant. Voilà, on va reprendre un peu de temps. Une petite vingtaine de secondes, voilà. David Godu qui fait son travail. Vraiment très grosse étape de David Godu. Donc, on va à fond, hein, comme on a encore notre gel. On est bien. Et Mikel Landa en difficulté. Mikel Landa en difficulté. Et nous, voilà, nous, on va pas attaquer. Nous, on va se contenter de. On va se contenter, voilà, de rouler. Voilà, on va revenir. On va même revenir. On va réussir à revenir avec une facilité. À cause, bah non, à cause des dégâts, bien sûr. Oliver Nelson qui vient juste de se faire lâcher il y a un instant. Ok. Bah écoutez, les gars, on va reprendre un peu nos places. On va reprendre nos places dans le poteau. Et quelle attaque de. Allez, Alejandro Valverde. Je l'ai dit. Mon pronostic sur le tour. Attention à Alejandro Valverde en IRL. Hein. Attention.
Bon, là, quelle attaque, hein. Bientôt découvrir quelle attaque de punch. De cette fin d'ascension. Un dernier kilomètre redoutable. Avec deux passages à plus de 20%, il faudra tout de même en garder sous la pédale dans la perspective de ce final inédit. Voilà, ça bug. La tour qui est toujours là, la tour. Pierre Latour. Richie Port qui est là. Sam Woman. Ok, Primoz Roglic, ça va être peut-être le moment. Ça va être le moment d'attaquer. Ah bah non, maintenant ça attaque. Ça attaque à 3,5 km. Et nous, forcément, bah David Gaudu en défaillance. David Gaudu en défaillance. Une attaque, on doit réagir, il est dangereux. Eh oui, Nairo Quintana est dangereux. Là, on doit y aller. Par contre, là, on n'a pas les forces d'attaquer. Hein. On n'a pas du tout les forces. Nous, on va y aller comme ça. Nous, on va y aller même pas à l'attaque. On va rester sur notre selle. On va se la jouer un peu à la Froome. Ah, 2,5 km, il nous reste encore notre gel, on est pas mal. Oh, Bobigno Salafip, très grosse étape, en défaillance. Entre les favoris et l'homme de tête. Ah ouais, par contre là on a pris cher Alejandro Valverde qui fait une superbe étape, hein, Alejandro. Plus que 2 km. Et Dumoulin, c'est un peu le piégé aussi. Dumoulin. Allez, 2 km, là on va arriver sur du plat. Allez, maintenant faut aller à fond jusqu'à la fin. On a que 53 secondes, hein. on perd pas beaucoup quand même. La flamme rouge est en vue. La flamme rouge, ouais, mais Alejandro Valverde va être en défaillance, hein. Alejandro qui perd du temps. Échappé, à 1 km de la ligne d'arrivée. Il est en train de se faire décramponner. Une bonne nouvelle pour le général. Romain Bardet en défaillance. Non, c'est Pierre Latour. Il a un peu l'allure. Autrement, tu vas nous faire un coup de moins bien. Et nous, on va revenir avec une facilité là. Avoir une défaillance 300 mètres. Et oui, Primoz Roglic, on est à 200 mètres. Et allez, est-ce qu'on peut aller chercher la deuxième place pour les bonifs? Oh là là, je sais pas, ça doit jouer à rien, les gars. On va aller voir un peu la photo finish. Allez, on va aller voir ça un peu, la photo finish. Donc là, vous voyez l'attaque de Nibali. Enfin, l'attaque, oui, Nibali aussi, hein, mais Thibaut Pinot, voilà, on prend notre gel à ce moment-là. Et là, avec Nairo Quintana, il se met en défaillance un peu tout seul. Là, il se met en défaillance et là, nous, on tente un gros coup. Donc voilà, vous voyez Primoz Roglic qui était juste là. Donc au final, on perd rien. On perd rien du tout sur sur Primoz, on perd rien. On perd, allez, une vingtaine de secondes et là, ça va se jouer là. Là, ça va se jouer là. Sur cette roue. Ouais, je sais pas, je pense que c'est Quintana, mais en tout cas on a les bonus dans tous les cas. On a fini soit deuxième, soit troisième, on finit fort. Hein. Parce que je m'attendais pas quand même à ce qu'on finisse aussi fort que ça. Surtout qu'on était en défaillance limite. Mesdames et messieurs, et ouais, Primoz Roglic, tu t'imposes. Ah, la planche des belles filles. Voici le vainqueur de l'étape, Mulhouse, la planche des belles filles. Roglic, et qui prend le maillot jaune du coup. On n'a pas eu notre maillot avec Thibaut. C'est dommage. Maillot vert pour Arnaud Desmarres. Maillot à poids pour Valgren qui prend le maillot à poids. Valgren. Et le maillot blanc pour Egan Bernal, La Berniche qui prend le maillot blanc. Et bah écoutez, c'est pas une très bonne journée en fait parce qu'on perd notre maillot jaune. C'est la déception de la journée. Hein. Mais on perd que 18 secondes. Allez, du coup 24. On perd 24 secondes en tout. On perd 24 secondes sur Roglic. Bravo, du coup, je pense que ça doit jouer podium, à vous avez fait le job. Je suis satisfait. On a perdu le maillot jaune. C'est la déception du jour. Ouais, c'est la déception. Mais bon, après, c'est peut-être un mal pour un bien qu'on l'ait perdu. Parce qu'au moins, on aura plus le peloton à... On aura plus nos équipiers à faire rouler pour le maillot jaune. Donc, c'est un mal pour un bien. C'est, du coup, maintenant, c'est les équipiers de la Lotto Jumbo au Visma qui doivent rouler. Donc, c'est pas si mal en fait, parce que du coup, on a fini 3ème. On a concédé que très peu de temps. On a gagné du temps sur Uran, sur Romain Bardet, on a gagné une 20, une 25 sur Thomas. Vincenzo Nibali qui a pris 44 secondes dans la gueule. Une 0,8 pour Uran. Donc, vraiment, on s'en est très bien sorti. Hein. Il y a que Quintana que ça s'est joué la photo finish. Mais voilà, sinon, on a été impérial. On a fait rouler notre équipe toute la journée. Pour arriver à ça, c'est pas mal. Bon, après la 2ème place sur la planche des belles filles en 2014, là, on fait 3ème. Sur cette édition, donc bon, ça reste correct. Pour le maillot à poids, du coup, il a pris 21 points, ok. On a pris 9 points du coup avec Thibaut, comme c'était une arrivée classée.
Ouais, c'était une arrivée classée première catégorie, mais comme on a fini troisième. Pour le maillot vert, du coup, on a pris 9 points, du coup, voilà. Et voilà, on a fini troisième du maillot blanc derrière Miguel Angel Lopez et la Berniche. Du coup, au général, ça se joue qu'à 6 petites secondes, hein. Finalement, ça se joue à rien du tout. Du coup, on reste sur le podium de ce tour, on est deuxième. C'est pas mal quand même pour Thibaut Pinot, finir deuxième. Voilà, je pense que le podium, c'était l'objectif principal. Après, là, si on peut aller chercher le maillot jaune, ça, ce sera, voilà, ce sera au fur et à mesure. C'est que là, on s'attendait pas à l'avoir direct. Donc voilà, Quintana 3ème, Valverde 4ème, du coup deux coureurs de la Movistar dans les 5 premiers. Dumoulin 5ème qui concède un tout petit peu de temps. Fugelsang, très très belle, 6ème. 6ème à 50 secondes, c'est largement jouable encore. Nibali qui remonte, qui fait une belle remontée. 7ème, Rigoberto Urán à 1.22, Dan Martin à 1.53 et Froome à 2 minutes. Donc déjà Froome, ça va être compliqué pour gagner le tour. Donc voilà, pour le maillot à poids, on est 3ème avec 12 points avec Rudy Mollard, donc 23 points Valgren. Maillot vert, on continue d'augmenter notre avance avec Arnaud. Le maillot blanc, on a 2.39, la Berniche qui est leader. Maillot par équipe, du coup on descend, c'est la Movistar, c'est logique avec Nairo Quintana et Valverde qui sont dans les 5 premiers, ça paraît logique. Et la combativité, c'est toujours Grudzef. Du coup les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Un maximum de pouces bleus, abonnement, activez la cloche de notification si ce n'est toujours pas encore fait. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Discord, Insta, Twitter, Snapchat, comme d'hab, dans la description les gars. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour entre l'étape 6 et l'étape 9 de ce Tour de France. Allez, ciao ciao.